Bonsoir Didier. Bonsoir. C'est vraiment une grande joie, un grand plaisir de t'accueillir dans la boîte à musique, d'avoir parmi nous un musicien de ton envergure. Alors évidemment, j'ai des tas de questions. D'abord, pourquoi ton violon est-il tout vert? Oui, bah, il est tout vert. Il a le trac. Voilà, d'abord, il a beaucoup le trac, il a beaucoup de cordes aussi, puisque c'est un violon à 6 cordes. Oui. Donc tu fais violon et violon alto en même temps. Voilà, d'accord, ce sont tu voulais cumuler. Voilà, l'alto, c'est, je précise pour les téléspectateurs, c'est le violon, mais un peu plus grave. Exactement. Et donc c'est un violon qui n'a pas de caisse de résonance, puisque c'est un violon électrique. C'est le même principe que la guitare électrique. Donc on n'a pas besoin de corps, même d'instruments. Et le son est pris par des micros qui se situent sous chaque corde. Et les mouettes? J'ai bien reconnu Bach, enfin... Genre Bach, tagadam, tagada, les petits motifs, les rythmes répétés. Mais pourquoi les mouettes? Comme je suis natif de Calais, en fait, les mouettes, c'est un peu le Bach entre Calais et Douvres. Et d'accord. Alors, autre chose, à quoi servent toutes ces petites pédales que tu as? En fait, ça transforme le son du violon. Et aussi, en direct. Ça, oui, et ça me permet de m'auto-enregistrer. C'est-à-dire qu'avec mon violon de Goldorak, j'arrive à m'enregistrer avec cet appareil, donc à faire des superpositions de voix. Comme, et à mettre de la réverb aussi. Oui, voilà. Tu fais une fugue à toi tout seul. Voilà, pas besoin d'orchestre. Alors, donne un exemple. Alors, par exemple, si je veux avoir le son de basse. Et ça le fait en boucle. C'est ce que tu viens de jouer, mais transposé dans le grave. Et là, je vais... Bon. Tu rajoutes la percussion, enregistré en boucle. Ok. D'accord, deux ça éléments. Continue. Là, je change de programme. Ça, on dirait une trompette wah-wah. Voilà, donc. Et je peux faire un solo dessus. Donc, tu as à la fois, grâce à cela, une sorte d'immense réverbération. Là, d'un coup, j'avais l'impression qu'on était dans une église. Tu peux superposer les voix. Oui. Ça les joue en boucle. Et si je comprends bien, au fond, tu pourrais quitter la salle de concert. Ça continue à jouer sans toi. C'est ce que je fais souvent. Je rentre à...